Vous, ce qu'il a fait. Oh, oh là là, nice. Robert, my bro, Gigi. Son perso est 18 dans le best-of de la semaine. Et là, gros, il est vraiment dans un best-of et tout. Les gars, faut qu'on vous parle de ce qui s'est passé un jour au Japon. Quand j'ai commandé, j'ai acheté une montre. Vous savez, j'ai un prénom très difficile pour le Japon. Et donc, la meuf, elle vient et elle me dit « Comment tu t'appelles ?» Bah je dis Quentin, tu vois. Et elle fait ok. Et là j'écris Quentin sur un bout de papier. Et elle revient avec le papier. Elle fait alors W O. Et là j'arrive, je fais non Quentin. Et elle fait ah c'est bien ce que je pensais. Et elle s'en va. On a eu un des plus gros rires. Elle vient, elle fait vous pouvez m'écrire votre prénom s'il vous plaît. Alors moi j'écris Quentin, donc Q N T I N, tu vois. Et après elle revient, elle fait j'ai pas bien compris la deuxième lettre. Et là avec le crayon elle fait W O. Non j'ai fait bah non Quentin. Et elle fait ah ok c'est bien ce que je pensais. Et après okay. Elle fait je vais appeler quelqu'un et elle est partie. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Ça a été un bon running gag ça aussi hein. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend, car ici on est des putains de passionnés. Red Shadow Legend est un RPG au tour par tour avec un système de collecte de champions et totalement multijoueur. Attendez, oui, je suis vraiment en train de te présenter le jeu, car le petit Gaëtan là-bas là, hein, on le voit derrière l'écran. Bah il le connaît toujours pas. Il y a 500 champions à collectionner. Et chacun d'entre eux ont un arbre de compétences incroyable. Il y a des millions d'artefacts à trouver et à équiper. Il y a donc des milliards de combinaisons possibles. Et comme je suis un putain de gars sympa, je vais te donner quelques petits conseils. Tu veux les meilleures récompenses hebdomadaires? Alors rejoins vite un clan et combat le chef de ce clan. Et un autre conseil pour la route. Le moyen le plus rapide de faire progresser vos champions, c'est de cultiver la campagne. Vous broyez l'XP. Et obtenez une charge d'argent et quelques artefacts en même temps. Hein, je suis plutôt un gars sympa quand même. Hein. En plus de ça, ils ont récemment ajouté les fragments de champions. Tu peux les collecter durant tous les événements spéciaux en cours et tout le temps. Et ça te permettra d'invoquer des gigas champions. Et laisse-moi te dire qu'il y a d'ailleurs un événement spécial en cours pour obtenir l'incroyable Krilla Witch Arm. Il se termine d'ailleurs le 28 août. Alors bon, dépêche-toi, ok? Profite aussi d'un nouveau shop, le Bazar, qui va te permettre d'avoir des objets de grande valeur que tu échanges contre des lingots d'or que tu as gagnés dans le mode arène d'équipe. Et tu te souviens des récompenses quotidiennes, Michel? Ouais. Et ben maintenant, elles peuvent être prolongées jusqu'à 270 jours. Tu y retrouveras des champions gratuits juste en te connectant chaque putain de jour. Je te propose donc d'aller dans la description de la vidéo. Tu cliques sur le lien et si t'es un nouveau joueur, tu obtiendras 100 000 pièces d'argent, une recharge d'énergie, 10 éclats mystères et un champion gratuit qui s'appelle Balafreur, voilà. C'est un mec qui balafre un maximum. Tout ce trésor t'attend, t'as juste à cliquer. Et là, tu peux pas dire. Je suis vraiment un gars sympa. Une compagnie pour l'enfant, parfois un refuge, lorsque la cellule familiale... Wesh! Mais qui laisse son gamin au milieu d'une gare à jouer à un jeu vidéo, les frères? Qui fait ça? Mais retrouvez les darons! Ils ont abandonné le gamin! Elle fait « Ah, Quentin !» Oui, comme Quentin Tarantino. Et là, elle fait « W, O, E » et je fais « Non, Quentin !» Oh putain, les gars, merde. Oh, les Japonais, mais c'est pour ça que je les aime. Elle était tellement mignonne, elle me faisait tellement rire en plus. Oh merde, putain. Citez-moi tous les jeux où on peut faire des sièges et tout comme ça, là. Rainbow Six Siege. C'est honteux. J'aurais ouvert l'Intermarché, j'aurais retiré tous les rayons. Je mets les pots de Nutella en plein milieu, je mets des sacs avec des armes aléatoires dedans. Et je fais la tête de ma mère, vous voulez votre Nutella à moins 70%? Allez-y. Mais tout, t'ouvres les portes d'un coup, des quatre côtés du magasin. T'ouvres les portes d'un coup, la tête de ma mère, tu fais un BR de Nutella gros. Un Battle Royale de Nutella frérot. S'il n'y avait pas de loi, je l'aurais fait direct. Vas-y, je prends le gros truc de siège. Ok, et ensuite je fais quoi? Non! J'ai été une fois au Cap Dag. Bien sûr. T'étais nu? T'avais le chibre à l'air un peu? Seulement dans l'eau. Je comprends totalement. Je voulais éclabousser tout le monde. J'entends bien. Ouais, en gros, t'avais une rame quoi dans les mains. Voilà. J'entends bien. Je me suis perdu au milieu de l'océan. Bien sûr. Vraiment, bah, au bout d'un moment, on perd le large. Le large, bien sûr. Si on peut dire ça. Ensuite, j'ai eu un PC. C'est normal qu'il y a rien qui va dans ton histoire. Même dans le storytelling, on est d'accord que de A à Z, tu nous prends pour des fils de pute là en fait. Après, j'ai appris que j'étais un fils de pute. D'accord, ah d'accord, ok, d'accord. C'est bien ce que je pensais, oui.
Et en face, oh, 70. Wesh, c'est trop. Frère, il a fait combien de sièges, lui? Non, c'est trop, oh, les gars. Je sais pas, mais il a un siège gaming. C'est honteux. Tu veux pas un petit loulou, toi? Et t'as déjà vu un caillou dehors, un galet, un bout de terre, bah voilà, bah c'est loulou, c'est juste que des fois il parle, ça lui arrive, des fois il est là, il fait wesh, et voilà. Non, wow, c'est dommage, je voulais lui offrir un beau cadeau, mais bon. Mec. What? Les frères? Ça fait 4 mois que j'ai pas vu ma mère, par exemple, juste pour donner un exemple. Hein. On encore la terre. Hein. Nous, on a été la voir hier. Je rigole, c'est une vanne, c'est une vanne. Sophie, on sait, on a un écran PC, tu sais, les écrans grave longs 19/9 là. Deux écrans dedans, tu vois. Et les coller Suzanne là-dedans, là, gros, pour voir sa pizza. Go, elle apparaît de l'autre côté de l'écran, elle apparaît direct chez Domino's. Les arnaques ne sont pas spécialement monnaie courante dans le niveau des OPSP, mais elles existent, d'accord? Vous pouvez avoir un studio de l'Est, hein, par exemple, qui t'envoie un mail. Bonjour Quentin, si Cabriette Rushby, moi K47, toi vouloir produire une vidéo pour moi ou moi t'exécuter toi. Et toi t'arrives, tu vas tenter, tu vas le faire. Oh, beau. Beau ce qu'il a fait. Oh, oh là là, nice. Robert, my bro. GG. Son perso est 18 dans le best-of de la semaine. Et là gros, il est vraiment dans un best-of et tout. En même temps, c'est un dramaturge, hein, Mary. Ouais, c'est plus un dramaturge. On l'appelle le dramateur, si je peux me permettre. Hein, donc, j'ai créé des problèmes depuis 1984. Bien sûr, je comprends. J'entends. Quand ma mère a accouché, elle a dit on a un problème. A un problème. On a un problème. Vu sa gueule, on a un problème. Le médecin, il est venu, le médecin légiste, il a dit bon, je veux pas créer de drama. Madame. Ah, déjà, si c'est le médecin légiste qui vient, c'est que déjà, t'as vraiment un gros problème. Déjà. Ouais. Grenade. Non. Aucune grenade, hein. Hop, j'ai overreact, hein. Ouais. Mais gros, il y avait aucune grenade, frère. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Pense évidemment à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Mets ton plus beau like et surtout, glisse ton meilleur commentaire. Merci, je compte sur toi. Vous voyez, t'as acheté un petit cadeau qui vient du cœur et tout. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un truc un peu personnel, de moi ou autre. Parce que tu m'aimes bien, Daryl. Ah, bien sûr. Une bonne giclée. Je peux lui envoyer dans un flacon de labo, hein, les gars. Hein. Une bonbonne de 8 litres. Ah bah, hey, le minimum, le minimum, tu connais. Hein. Je vais la mettre en spray. Petit bug. Tu gères ça? Ouais, j'appelle là. T'appelles la hotline? Ouais. Qui s'occupe... Davaï. C'est ça, l'hotline. Tu décroches. Davaï. Tu lui dis. Tu lui pars d'une langue, il comprend rien. Loulou, toi, c'est quoi en ce moment? Moi? Ouais. C'est solo. Il regarde des bugs sur moi. Non, mais. Non. Au moins, il a été franc, il a été franc. Non. Oh putain, je suis mort. C'est solo, il faut que la meuf elle dise Loulou. Non, mais. Qui est parti? Chut, chut. Ta gueule. Il y a un mec qui est blessé à ma droite là, juste à ma droite là. Il a dit quoi les gars, je suis pas sûr. Ouais, je crois qu'il t'a... Ouais. T'as dit quoi Pierrot? Traité. Il a dit faire entendre grande gueule. Je te déteste. Pierrot, tu veux vraiment lâcher un ta gueule là? Oh, attends, il est jeune. Oh, je pense que ça doit être sur du... sur du teen, lesbian, swallow, tu vois le classique. Ah oui, BBC, mégalo swallow, double gouvernail sénégalais gros. Step sister. On va les entrer. Oh. Je suis retourné. Non mais bon, c'est de l'art. Tu connais Sophie? Eh gros, je me suis retourné, j'ai fait tu connais Sophie? Non, elle est au téléphone encore avec sa daronne. Ah ouais. Eh hey, Sophie, t'as déjà vu la vidéo où elle s'est fait prendre par 6 mecs? J'ai tiré la gueule, hein. J'ai fait oh shit. Ses talons, la Bose, est une longue histoire. Il achète 300 000 roubles à carte. Il paye pour rien, il se fait full enculé. Il a 40 ans, il ne voit rien. Ils étaient là-haut,
au bord du chemin. Il a pris un petit headshot, sans doute pas son jour de chance. Oui, vas-y Pierrot, casse tout avec tes mains et défonce la gueule de ton gamin. Ouais, j'espère que ça vous a plu les gars, hein. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'est la track 2 ça de l'album. C'est le bonus track. C'est le bonus track. C'est qui peut t'envoyer à tout prix, à tout moment, une photo de son pénis. Hein. Ah. Il a fait Alfouille. Il en est encore traumatisé. Hein. Tes lunettes, elles ont fissuré, gros. Après, j'ai voulu l'envoyer à Bibo, il a fait « Ah non, ça va pas ça !» Mais non, mais j'ai pas envie de voir ton chibre, frère. Il a tout pris m'envoyer son chibre, frère. J'étais en mode « Gros, calme-toi, frère. » Je voulais absolument que tu constates, tu vois. Bah ouais, mais gros, j'avais pas envie de voir ton chibre à ce moment-là, frère. Ce jour-là, j'étais d'un autre bord, et voilà. J'aurais pu tous vous baiser ce jour-là, peut-être, hein. Je sais pas trop, tu vois. Il se passait des choses, tu vois. Libs. C'est... Ouais. Et ta thermite, ton sac, ton armure. Oh les gars, il y a qu'un vrai frère ici, gros. Loulou, un vrai frère, les gars, applaudissez Loulou s'il vous plaît. Non mais gros, je suis sûr qu'il a un album. Il a un album de sa tub. Ma tub au matin. Non, j'ai restauré mon iPhone, j'ai perdu les 500 photos de ma vie. Oh les trois. Oh là, ils sont checkés. Attends, j'ai 30 ans, je suis célibataire, j'ai un taf de merde, putain, quel long. Y'a rien qui va, je suis vraiment une merde. Y'a rien qui va dans sa vie à ce moment-là. Les gars, je suis chaud, bordel. Le gars, j'ai pas compris. Le gars, il se rend compte à 31 ans que sa vie elle est éclatée. Non, ma vie elle est éclatée. Ma vie elle est terminée, je suis à la retraite, sa merde. Voilà, Bloody Susu. Bloody Susu. Bloody Susu. Il changera sûrement jamais de pseudo. Ouais. Avec votre tête triangulaire là. Eh, c'est nul à chier. Arrêtez de regarder cette merde là. C'est nul à chier. Je suis désolé, Beatle, si t'aimes ça. Je suis désolé si t'aimes ça. Éclatez sa mère. C'est... Oh, le pire, c'est Skybook qui m'appelle Susu quand même. Suceuse. Ah, je suis mort. Allez, mec. Allez, mec. Je suis mort. Attends, ouais. C'est typiquement. Et on l'adore, on l'embrasse, hein.